Ça devait. Le côté raciste doit avoir rajouté un vrai stress à cette époque-là, tu sais. Parce qu'il y avait bien, tu sais, des blancs qui n'avaient jamais rencontré un noir, puis là, ouais. qui te voyaient que. Tu sais, c'est quoi de bizarre? C'est pas naturel d'avoir cette pression-là, t'sais. Mais moi, pour moi, ça a joué pour moi. C'était. Combien de fois j'ai rencontré des chauffeurs de taxi qui disaient: moi, j'aime pas les noirs, mais toi, je t'aime. J'ai été le premier noir que le monde choisit. Ça veut dire que tu rencontrais des chauffeurs de taxi blancs? Oui. Tu sais, tu vois que c'est d'une autre époque en esti, là. C'est. Des chauffeurs de taxi blancs qui savaient où ils s'en allaient. Tout ce loop-là, là. Ah, oui. C'est formidable. Comment c'est une question woke? Oui, oui. Papa de redneck. C'était parfait. Ben, c'est comment bien me décrire? C'est Mike. C'est que ça commence woke, puis ça finit raciste un peu, tu sais. Ou le contraire. Ah, ben oui. C'est Mike. C'est, ouais, ça commence raciste, ça finit woke. Oui, hostie, tabarnak. Je bouille comme un trou, j'ai un lance-flamme, mais le soir, c'est Barbada qui me raconte des histoires pour mon quand même une bonne imitation. Pardon. C'est quand même une bonne imitation. Oui, c'est bon. Wow, c'est...